Hello tout le monde, nouvelle journée qui commence ici, Wutan. Bon, je vous montre, je commence par la vue de l'hôtel. C'est les rizières qu'on voit là-bas, c'est magnifique, c'est magnifique. Je vais vous raconter un petit peu ma soirée, d'hier soir, mais surtout ma nuit d'hier soir. Alors, je pense que pour résumer ma nuit, il y a ça. Mais cette nuit, ça a été vraiment ma première, toute première tourista. Alors la tourista, c'est hyper désagréable, j'avais jamais eu. Mais j'ai passé toute ma nuit sur les toilettes, c'est horrible, je vous raconte tout. Alors, en cas de tourista, il y a un remède grand-mère qui est hyper efficace, que je vous conseille, c'est de prendre un citron, de le presser, et de rajouter 2 cuillères de miel dedans, de faire chauffer le tout, et de boire direct. Et a priori, en 24 à 48 heures, vous tuez les bactéries, et tout va mieux, et votre flore intestinale redevient extraordinairement efficace. Donc, fini la tourista. Donc, je vais tester ça aujourd'hui, et je vais vous dire si c'est efficace demain. Qu'est-ce que je vous raconte aujourd'hui? Aujourd'hui, finalement, on avait l'opérateur avait décidé de nous emmener à 4 heures de route de l'autre côté du pays, visiter un temple et revenir avec 4 heures de route. Comme c'est des routes dans les montagnes, on a préféré lui demander de changer notre journée pour finalement aller faire un festival local. Donc, je vais vous emmener avec moi voir le festival. Donc, c'est parti, nouvelle journée qui commence ici au Bhoutan. On est parti pour aller voir un festival. L'après-midi, on devrait aller faire un peu de randonnée dans les montagnes et dans les rizières. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Bon, bah, le Bhoutan, au niveau tourisme, on peut pas dire que ce soit pas touristique, hein, si vous voyez derrière. C'est presque difficile de rencontrer des locaux là. Dans une partie plus intéressante, pour la première fois depuis notre séjour, on a la possibilité de circuler seul, ce qui est vraiment très agréable. Du coup, on est un peu plus au contact avec les locaux qui sont accessibles, on peut discuter avec eux, prendre des photos. C'est vraiment très agréable. C'est vrai que moi, les voyages organisés de façon générale, c'est pas trop mon truc. Je préfère aller à l'aventure, rencontrer des gens, et je trouve que le voyage organisé fait une petite tendance à nous laisser entre touristes, et c'est vrai que c'est pas forcément ce que je préfère. Après, c'est vrai que sur le voyage au Bhoutan, on est là uniquement on est deux Américains et un Français, donc c'est moins pesant que ça pourrait l'être si on était un groupe de... Je viens de rencontrer une Belge, ils sont 36, là, pour moi c'est vraiment... c'est pas du tout fait pour moi. Donc on peut se balader un petit peu plus dans le festival et on peut aller un peu plus à la découverte des locaux. Je vous emmène avec moi, on va essayer de trouver un café, je sais pas si on va trouver, mais on va essayer de trouver un café. Et on va continuer à apprécier le festival. Welcome to Bhoutan. On arrive sur la partie festival, en fait sur la partie un petit peu plus foire. On va aller voir ce qu'ils proposent. Et on va aller voir s'il y a des trucs à goûter et à manger. Yeah. Where is this? Ready? Oh! Champs-Élysées, la 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 la. Oh, Champs-Élysées, la 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 la. Au soleil, à minuit. La particularité de la foire ici, c'est que, enfin, ce qu'ils appellent le festival, c'est qu'il est, installé sur une base militaire. Et là, je viens de rencontrer des moines qui étaient habillés en noir. Je leur ai demandé pourquoi ils portaient du noir, parce qu'en fait, il y a différents codes couleurs en fonction des moines.
Et il m'expliquait qu'en fait, ils sont volontaires, donc c'est des militaires, mais qui sont aussi des moines. Donc voilà, c'est militaire moine. Bonjour. Dans un petit village typique en milieu des montagnes, on a dû le demander parce que sinon c'est pas forcément évident qu'ils nous y amènent. On va essayer d'aller rencontrer un petit peu les locaux pour dire bonjour. Alors, je sais pas s'ils comprennent ce que je leur raconte. On va essayer. Petite visite dans la ville où on retrouve plein de petits pénis partout, peints sur tous les murs. C'est signe de fertilité. Je vous montre quelques photos, vous allez voir. C'est assez étonnant. Ça surprend au début quand même, mais bon, c'est rigolo. On dirait que c'est la sieste dans le temple bouddhiste. Pour les petites photos, ils sont tous autour de moi, ils sont tous en train de dormir. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est assez marrant. Là, il y a beaucoup de vent en fait, mais tous les quartiers qui sont derrière, c'est les quartiers dans lesquels habitent les moines. Il y en a un qui vient de me voir et qui s'est échappé. On va aller voir ce qu'il fait. On va aller l'embêter un peu. Là où ils se lavent les moines le matin. La vue est quand même splendide. Moi je dis, la vue est magnifique quand même. Chagudena, chugi ka.
ji dadi nga tsale ba macha chigi kanji dadi nga undu dare chigi gazum tindi nga tsale ba macha chigi gazum digi nga yuba mibzo nigi semgi churadin didi dunga Sungi chura dindi de dunga Chui gazun tendi ngigisim Aydari tale bamacha Ma